Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers, un tout nouveau let's play qui a démarré mais qui m'a bien plu ce premier épisode. Alors, on avait été envoyé en mission au précédent épisode avec nos chers collègues Poussifeu et Germignon. Je rappelle que nous interprétons le Pikachu. Nous avons été envoyés en mission ici pour... Pourquoi déjà ? Je sais même plus. J'ai totalement oublié. Ça va me revenir. Je sais qu'ils nous avions combattu à l'épisode précédent. On avait la team des minis avec Ectoplasma, Absol et qui était le troisième déjà. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui était le troisième. Ah, c'est dingue, c'était qui. Bref, on a été ensuite envoyé en mission par Gardevoir, hein, qui est un peu la chef des Rangers, on dirait. Je pense qu'on doit prouver notre valeur pour avoir enfin notre badge de ranger, notre vrai badge de ranger. Oui, j'ai Germignon devant, je les ai un peu entraînés, tout petit peu. Ils sont niveau 10, Pikachu et Germignon. Sinon, je crois que Poussifeu, lui, il a rien de plus. Alors, je vois ça, j'ai un réflexe, je me soigne. Hein, je réfléchis pas. Bon là, je vais pas le refaire là tout de suite, je l'ai vraiment fait il y a 2 secondes. Mais c'est un réflexe à prendre, important, je pense. Ah, pareil, on va peut-être pas le faire non plus. On va aller récupérer ça. Qu'est-ce que c'est ? Une technical machine, c'est la 11. Je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle c'est, la 11. On va aller voir ça tout de suite. C'est Sunny Day, ok. Ça servira pas trop. Qualot Berry. Je sais pas. Je me dis peut-être dans ce jeu, ça peut être utile. Mais sans grande inspiration. Alors si ça pouvait repousser les Pokémon, ça serait vraiment... Vraiment beaucoup. On en a beaucoup. Des Pokémon sauvages. Alors nous sommes nous-mêmes un Pokémon. Alors nous n'étions pas un Pokémon, on était déguisés en Pikachu. Et notre fête d'anniversaire a mal tourné. Hein. A très mal tourné. C'est vrai que c'est peu courant de se retrouver envoyé dans le monde des Pokémon. Moi ça ne m'est jamais arrivé. Alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose tout au bout. Et c'est une nugget. D'accord. Je sais pas à qui on va la vendre. Mais très bien. Il y a beaucoup de... Voilà. Je l'ai fait combattre, je vais le soigner pas pour rien cette fois-ci. Non, c'est bon, hein, ces becs qui servent à rien, on a compris. Et voilà, donjon, étage suivant. Alors coupe, on nous avait pas donné coupe. Ah oui, dans notre sac, ce qu'ils avaient acheté, dans ce qu'ils avaient acheté, il y avait coupe. On va enlever charge. Alors je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir une arène ou quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'on peut le faire tout de suite? On peut le faire tout de suite, très bien. On va récupérer tout ça. Alors celle de droite, je la reconnais, c'est les belles mépo. Enfin, les pas, ouais. Il n'y avait pas autre chose par là-bas. Il y a toujours un objet à chaque étage, j'ai l'impression. Est-ce que... Ah, j'ai pas vu. Mais ouais, il y a beaucoup de Pokémon et on peut pas faire repousse, ça c'est malheureux. Obligé d'accélérer, mais du coup, comme j'accélère, ça fait qu'il y a encore plus de Pokémon. On parcourt plus de distances, mais on les rencontre d'autant plus vite vu qu'on accélère. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Ok, on va aller récupérer ça. Ça, c'est la bonne solution, c'est sûr. Ok, vous voyez, en plus, pour vraiment rencontrer que les mêmes depuis tout à l'heure, on n'a toujours pas d'ennemis en vue, ni de coéquipiers. Hein. On n'a pas revu Pikachu, Poussifeu. Ah là, on peut pas passer par là. Mais déjà, il y a une entrée. Une entrée dans une grotte, donc c'est très bien. Aller en bas n'est pas le problème. Non, je voulais pas. Je peux... Oui. Mince, on peut pas y retourner. Ah, je pensais pas que j'allais pas avoir le choix. Enfin, je pensais que j'allais pouvoir revenir en arrière le temps d'aller chercher mon objet. Ok, un rappel, pourquoi pas. Mais très bien, on est en bas de la montagne. C'est ce qu'il nous fallait, on est en bas de la montagne, on a tout descendu. Ok, ah oui, il y avait un problème de rocher, c'est vrai. Un Pokémon qui s'amuse à boucher les chemins, qui font peur aux autres Pokémon. Ce n'est pas une situation de rocher. On dirait que la montagne s'est tranchée, enfin s'est effondrée et a bloqué le chemin. Est-ce que c'est possible de bouger des montagnes? Il y a un seul Pokémon dont on dit qu'il bouge des montagnes et la terre. Et Poussifeu, tu n'es pas en train de parler de Groudon, n'est-ce pas? Groudon? Non, pas besoin de crier, Heidi. Groudon est au mont Ardent. Oh, Régirock! Ah, destruction! Destruction! Chez Kurita, Heidi, je suppose que nous n'avons pas le choix. Nous devons... Enfin,
Si ça continue, toute la route sera perdue. On peut pas juste parler avec Régiroc ? Et quoi ? Nous allons dire hey, « Hé, Régiroc, arrête de faire des tremblements de terre, s'il te plaît. Et aussi, on prend un thé plus tard. Let's move. Avançons, l'équipe. Parlons comme si on allait... parlons... Bon, débrouillons-nous comme si on allait se faire écraser par ce Régiroc. Est-ce qu'on a vraiment une chance contre Régiroc ? Je ne sais pas, mais combattons. Sig. Très bien. Très très bien. Excusez-moi, petite coupure. Reprenons. Ah oui, contre Régiroc niveau 11. Oh, ça va le faire. Alors, faut peut-être juste lui baisser son attaque. Ouais, ça n'a pas été tant utile. Faut surtout que je conserve... Non, mais j'avais pas le bon. Il aurait fallu Pikachu devant, au moins que je le paralyse. Bon, on va attaquer quand même. Ah oui. J'aurais peut-être dû le soigner. Bon, Pikachu. Thunder Wave. Ok, en plus il s'augmente son attaque, très bien. On va être mal, hein. On va être assez mal. Fais voir un éclair ce que ça fait. Oh, il a augmenté son attaque en plus. Ok. Ok. Flamèche, ouais. Ok. Alors là, on est KO. Du coup, il se passe quoi? C'est un décor qu'on n'avait pas encore vu. Il se passe quoi quand on est KO dans ce monde? On rencontre... Oh! Alors c'était peut-être fait exprès qu'on soit KO. C'était quoi cette chose qu'on a aperçue? Ah purée, il faut refaire tout le chemin. Alors attends, on va mettre Pikachu en bas. Et surtout, je vous retrouve un petit peu plus loin. Du coup, on va pas refaire tout le chemin ensemble. Bon, au passage, avant de récupérer le Régiroc, voilà, je récupère ces quelques petites baies. J'ai fait rapidement 2-3 Pokémon, mais j'en ferai vraiment plus si là, même avec Pikachu en premier, j'arrive pas à battre le Régiroc. J'en ferai vraiment plus d'entraînement et on retentera le coup. Là, c'est vrai que c'est pas simple. C'est clairement pas simple contre Régiroc, mais si on le paralyse, il y a peut-être moyen. On peut pas attraper d'autres Pokémon, hein. J'ai bien vérifié, on n'a pas de Pokéball. Donc, on peut pas recruter non plus, a priori. Ou alors, je connais pas le chemin. Donc, on va voir. On va voir ce Régiroc. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Peut-être, peut-être pas. On va voir. Alors. Thunder Wave. Déjà, je suis plus rapide. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'aurais dû soigner. Alors, t'es paralysé. Tu me fais cœur. Ça, c'est très mauvais pour nos affaires. Thunder Shock, hein. Ou est-ce qu'il aurait fallu que je baisse son attaque? De toute façon, là, il en a deux curses. Laisse tomber. Laisse tomber. Ok, on continue d'attaquer. Il va bien être paralysé des fois. Très bien. On avance petit à petit. Là, on est presque à la moitié. On a fait plus du tiers, en tout cas. Ok, il est encore paralysé. Ça, c'est très, très bien. Il suffit de faire un petit coup critique, peut-être, tout à l'heure. Et on est pas mal. Ok, Wakfo, on résiste pas une seconde, évidemment. Bon, on va mettre Poussifeu. Avec un peu de chance, on peut lui enlever assez. Il peut être paralysé une ou deux fois. Je sais pas. Bon, en tout cas, on va lui faire Flamèche. Ouais, ça lui fait vraiment pas grand chose. Curse, ok, hein, de toute façon. Je préfère que tu fasses Curse maintenant. On se prend une attaque, tu es forcément. Tu nous mets forcément KO. Donc, je préfère autant que tu fasses Curse plutôt que jet de pierre. Ok, un petit paralysie. Ok, encore Curse. Ça me va. Ça me va s'il fait ça. Elle attaque la défense, là il l'a bien à fond je pense. Il y a un petit coup critique pour moi ou lui qui peut pas attaquer. Rockfro, bon. Même sans curse, il aurait été KO. Et c'est là où il faut qu'on ait une paralysie. Je pense qu'en deux trancherbes, c'est mieux trancherbes, non? C'est pas... Je sais plus, le physique spécial, ça me casse la tête, je comprends jamais rien. Ah, mais il a un haut taux de critique. Non, si on fait trancher, il n'y a pas trop d'hésitation. Allez, Chikorita, un petit coup critique, un petit peu de chance. Oui, mais c'est bon, ça fait large le travail, même pas besoin de coup critique. Très bien, bravo Chikorita. Bravo, hein, tu étais le petit sale gamin du groupe, mais là, t'as prouvé à tout le monde ta vraie valeur. Tel Naruto. Reflect. Oui, peut-être à la place de rugissement, pourquoi pas protection, bouclier. Non, bouclier, c'est barrière. Ok, au revoir Régiroc. Ouch. C'était pas simple ce combat, hein. C'était pas simple. Ok, c'était assez difficile. Alors, on dirait que Régiroc se réveille maintenant. Les légendaires n'abandonnent pas facilement. Alors là, par contre, si je suis censé le faire deux fois de suite, ça va être compliqué. Je suis fatigué depuis que je me suis transformé en Pikachu. Je tiens pas le coup contre ce Régiroc. Oh, mais
Qu'est-ce que je fais ici? Quoi? Vous voulez dire que vous ne vous en souvenez pas? Si c'est le cas, alors je vais... Nous vous avons combattu et nous vous avons battu, surtout. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah, tu casses toujours le fun, toi. Enfin, tu voles toujours ce qui est amusant. Oh mon... Mais qu'est-ce que... Je me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens de rien. Bien, bon, peu importe. Est-ce que on peut vous demander d'arrêter de bouger la Terre? Pourquoi est-ce que je ferais une chose si dangereuse? J'aurais pu blesser d'autres Pokémon si jamais je l'avais fait. Nous savons. Nous devons retourner au square et faire part de tout ça au chef garde-voir. On dirait que c'est une sorte de plan, je suis d'accord. Je suis plutôt fatigué, hein, maintenant. Bon, Regirock, nous devons rentrer maintenant. Oh, très bien. Voyagez en sécurité, les enfants. Eh, mais tu n'es pas aussi effrayant que je le pensais. Merci. Au revoir. À bientôt. Ok, on est renvoyé automatiquement au square. On devait peut-être se soigner. Ah, bonjour Heidi. Je suis content que nous ayons réussi avec succès notre mission à Fortune Valley. Poussifeu est au Pokémon Hall avec Gardevoir. Peut-être que je devrais y aller aussi. Allez, on se voit là-bas. Alors, je ne sais pas si j'ai été soigné. En tout cas, on va le faire immédiatement. Au moins, c'est fait. Alors, le Main Hall, c'est... par ici, si je me souviens bien. Voilà, Pokémon Hall, je dis Main Hall, mais Pokémon Hall. Bonjour, il faut qu'on va parler à Gardevoir directement. Hello Pikachu, je te remercie pour avoir résolu ce mystère à Fortune Valley. Psst, hey Heidi, montre un peu de respect, d'accord? Ne reste pas traîner debout comme ça. Ça va, Poussifeu. Ok, Gardevoir, je pense que Poussifeu a raison. Bon, puisque vous avez toujours besoin d'avoir votre badge de secouriste pour pouvoir faire des missions au bureau de rescousse, j'ai une autre mission pour toi. Vraiment, juste pour nous? Vous m'avez entendu, les Go-Getters. Apparemment, nous avons reçu une lettre d'aide de quelqu'un d'inconnu. Ouais, il a besoin d'aide. Apparemment, on a pu établir qu'elle était en train d'être pourchassée dans le Bouquet Field. Oh, c'est un joli nom. Donc, on va aller au Bouquet Field et secourir cet expéditeur anonyme. Oui, et pour aller là-bas, nous aurons besoin de traverser les Sinister Woods, pour commencer. Sounds like a plan, il arrête pas de dire ça, enfin, il a dit ça deux fois. Je ne sais pas si je me trompe sur la traduction. Sounds like a plan, c'est-à-dire on dirait un plan, mais pas trop. Bref, on devrait se préparer alors. On va y aller. Que vos chemins soient guidés, que ça se passe bien. Alors par contre, pour les Sinister Woods, moi je ne sais pas où est le début des Sinister Woods. Je n'en ai aucune idée. On va retourner tranquillement à la maison. Je pense qu'ils nous aideront. Voilà, faut toujours retourner au square, enfin à notre hutte. Hey Heidi. Oh, salut Chikorita. Je pense que tu devrais te prendre une bonne nuit de repos pour demain. Oui, j'imagine que tu as raison. Ok, à demain. Très bien. Très très bien. Ben, retournons. Voilà, on a dormi un petit peu. C'est parfait. On est en pleine forme. Bonjour Poussifeu. Alors ce qui est drôle, c'est toujours Chikorita le soir et toujours Poussifeu le matin. C'était déjà le cas à l'épisode précédent. Hey Heidi, est-ce que tu as eu une bonne nuit de sommeil? Oui, ça va. Le hey, je sais pas ce que c'est, dans mon nez pendant que je dormais. Bon, on va partir pour les Sinister Woods et on va se faire un chemin jusqu'au Bokeh Field. Ok. Ok, on arrive dans les Sinister Woods. Effectivement, on connaît cette zone et peut-être qu'on doit aller plus loin que là où nous sommes allés avant. Alors, je voulais pas faire ça. On va essayer de faire les Pokémon sauvages. Attends, ça nous fera un peu d'entraînement. Il faut pas qu'on évite tout. Alors là, les entraînements sont un peu plus faibles forcément. Oui, on avait déjà pris cette boîte là, ce qui explique la non-existence d'objets à l'intérieur. On va quand même réessayer, on sait jamais, hein. Il y a peut-être des chemins que je vais pas reconnaître, donc des boîtes qu'on n'aurait pas faites. Bon, c'est le chemin, a priori, on l'avait déjà pris, mais on teste quand même, c'est pas bien grave. Ok, healing plant, continuons par ici, un peu, non, on peut pas continuer à gauche, d'accord, j'étais pas sûr. Dark Shock, très bien. Alors, en fait, il faudra peut-être continuer un peu plus loin par rapport à là où nous avons croisé Absol, Ectoplasma et le troisième dont je n'ai toujours pas le nom. Je ne sais plus qui est le troisième de la bande des minis. Ectoplasma, Absol et ça c'est incroyable que je ne me souvienne pas du tout de ce troisième Pokémon mystère. Ah, on va prendre ça. C'était 06. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est pas toxique? Toxique, très bien.
On va le donner à Chikorita, je pense. On va enlever Bullet Seed en vrai. J'ai donné la CT, mais parce qu'il avait. Si, il avait déjà une attaque plante à l'époque en plus. Bah, écoute, je ne sais plus pourquoi. on va faire ça. Et on va se mettre comme ça. Ok. Thunder Shock. Très bien. Est-ce qu'on est déjà passé par là? Je me rappelle. En fait, je me dis que si on était passé par là, on l'aurait pris la CT tout à l'heure. Donc, si je ne l'ai pas pris. Je suis intrigué. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Une box derrière un arbre comme ça. Ça me rappelle quand même quelque chose. Ok, les Pokémon deviennent d'un niveau un peu plus élevé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire qu'on s'approche du but? Je ne sais pas. Ouais, je dis ça, on a un niveau 4 juste derrière. Ok, passons par là. Pour l'instant, il n'y a pas 20 000 chemins possibles. Donc, on suit le chemin, quoi. Ok, là, on va mieux passer par la droite. Ok. On va se soigner au passage, hein, au niveau des PP, des PV. C'est tout très bien. Alors, ah oui, c'était là qu'on avait croisé les minis. Ok, allons-y. Donc là, on n'était pas allé plus loin. Ah oui, Bokehfield. Ok, ça devait être une erreur quand on nous disait Bokehfield sans U. Arco! Dommage, je peux pas l'attraper, mais... Regardez, j'ai pas de Pokéball. Mais on peut, ça peut être bien si des fois on peut proposer à certains de nous rejoindre. On pourra avoir une magnifique équipe. Ranivol aussi, c'est sympa. Très bien. Bon, récupérons tout ça. Et on s'en occupe, ça peut faire pas mal d'expérience. Ça, on récupère. Alors, je vais juste voir qui n'a pas sa baie tenue. Voilà. Des baies. Allez, c'est bon, ils en ont tous. On a beaucoup des baies citrus. Et encore. Donc, tiens, on va soigner. Et je ne sais pas exactement par quel chemin il faut aller. On doit secourir quelqu'un qui est, a priori, poursuivi par quelqu'un qui est pourchassé. Alors, il a eu le temps d'écrire une lettre, quand même, donc il n'est pas si en danger que ça. Mais bon, on va le sauver. Avec tous ces Pokémon. Alors, je les fais pas parce qu'ils sont plantes et j'ai peur que ce soit peut-être plus galère qu'autre chose. Il y a beaucoup de healing plantes, hein. Ils pensent vraiment qu'on va pas s'en sortir dans ce jeu. Ce qui est pas faux, hein, mais là on a failli pas s'en sortir contre le Regirock, mais même à pleine vie, ça changeait pas grand chose en fait, c'est juste qu'il était fort en face. Très bien. Beaucoup d'herbes, hein, c'est très propre, c'est très nature. Oh là! Ouh là là! Alors si on croise des plantes, on va mettre Torchic devant. Bonjour! Vous n'avez nulle part, tu n'as nulle part où fuir, Evoli. Ou alors je devrais dire Rose. Rose, ce Evoli, c'est Rose. Tropius a raison, Rose. Nous allons te frapper jusqu'à que tu relâches ton dernier souffle dans ce monde auquel tu n'appartiens pas. Aucun humain ne devrait être ici. Humain? Oh non, c'est Rose. Pourquoi est-ce que vous me faites une chose si cruelle? Pas besoin d'expliquer, il est mieux que tu... Waouh, en gros ils veulent tuer. Rose, est-ce que c'est un de nos amis qui était à l'anniversaire? Regardez ça. On dirait que c'est l'autre l'équipe qui nous chasse, Rose. Vous êtes fichu. Tu es fichu, Rose. En fait, nous sommes ici pour secourir le Pokémon que vous pourchassez. Qui apparemment est un Evoli sans défense, pourchassé par tous les trois. Est-ce que vous êtes... Enfin, Arionette, c'est ce que vous êtes fou. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Nous chassons ce Evoli car... Mais suspense, bah ils l'ont dit juste avant. Parce que quoi? Ah, c'est inutile. La team Greenleaf. Les bâtons, c'est nuisance. Nous n'avons pas de choix. Je dois sauver Rose. Ok, elle a compris que c'était un humain. Ok, elle voulait le mélange des trois, par contre. C'est terrible. Ok, on va changer. Voilà. Je suis toxique, au passage. On va laisser avec Chikorita. Ça, le prochain, au pire, on le... Ok, on refait. Le prochain, on l'accueille avec un petit... voilà, il est KO. Avec un petit toxique aussi. Très bien, niveau 13. Je sais pas si tu gagnes grandement en vitesse, mais... Tropius, ok. Lui aussi, ce serait pas mal de placer un petit toxique. Ok, un attaque devant, on a réussi à l'empoisonner. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il peut être difficile à battre, lui, puisque je sais pas s'il nous sortirait des aéropiqués. Ok, des gros yeux, ça va, hein. Je pense qu'on va protéger un peu Chikorita, puisque mine de rien, avec son toxique, c'est un peu la clé du combat, je pense. Razor Leaf. Ah, mais je vais être KO là.
non? Ouais, pour critique en plus. Donc bien sûr, je suis KO. On va mettre Torchic. Et il lui reste quoi après? Il lui restait, je sais plus, son dernier. Un petit Flamèche, Tornade, ça devrait aller. S'il faut le soigner un petit peu, on le fera. Et puis il a sa baie Citrus. Ok, au prochain tour, ce sera fini. On va le faire. On va le faire avec Torchic. Razor Leaf, ça peut faire mal, mine de rien. Ça va. Attends, je me suis un peu emballé. Ah, il n'utilise pas la baie Citrus automatiquement. Dommage. Alors ça va faire pas mal d'expérience aussi, je pense. 234. C'est normal. Executor, bien oui. Ok, Chikorita. Viens par là. Alors, il n'aura pas des attaques plantes de ouf. Au pire, il aura choc mental. Mais il suffit donc... Ah, mais oui, c'est Executor comme ça. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Execute. À N9. Barrage. Ah, je pensais que c'était... Ah non, en anglais, c'est Block, l'attaque qui nous empêche de fuir avec une croix rouge. Là, c'est... je ne sais plus quel objet... Enfin, quelle attaque qui, je crois, utilise les objets que tu as dans ton équipe pour faire des attaques, quoi. Ah oui, d'accord, quand j'ai raté mon attaque, ça m'a mis un petit message plus long et du coup, ça bug vite fait. Bon, ça va. Hein, ça va. On va se réveiller. Et il nous fait barrage à nouveau, d'accord. Bon, si on peut gagner des tours, si à un moment donné il nous met dans le orange, la baie Citrus viendra. Enfin, je ne m'en fais pas trop. Allez, cut. On attaque en premier. Ça fait quelques dégâts, on va dire très ordinaire. Ok, il est cuit. Il est cuit. Et c'est notre Chikorita qui va le manger. Ok, il y a la baie Citrus qui arrive. On continue avec Coupe. Je ne sais pas si j'aurais meilleur compte à faire Razor Leaf. On testera peut-être au prochain coup, je ne sais pas. Ok, deux fois. Il n'y a pas énormément de chance non plus en face. Ouais, tentons le Razor Leaf pour voir si ça fait plus de dégâts que Coupe. Et ça fait à peu près pareil, j'ai l'impression. Barrage, ok, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, fais tes barrages. Le poison, ça te met KO. Et 499, c'est beaucoup, au niveau 15 même. Ok, il va prendre Poison Powder. Non, j'ai toxique et je vais pas lui apprendre Poison Powder. Ça t'apprendra, ça vous apprendra. Bravo, encore une fois, Germignon nous aide. Waouh, c'était cool. Nous avons été battus. Ah, je n'ai pas la force pour je n'ai plus la force pour combattre maintenant. Battons en retraite. Vous ne comprenez pas nos raisons, même si nous voulions d'Isions. D'Oignons. Mais faites attention, on aura notre revanche. On vous retrouvera. C'est vrai, fuyez et ne vous mêlez pas. Enfin, laissez les autres Pokémon tranquilles. Je me demande comment il connaît Rose. Merci beaucoup, pas de problème. C'est notre devoir, enfin, travail, de secourir les autres Pokémon qui ont besoin d'aide. Ok, Evoli, est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, je suppose. Et on va pas parler avec Rose. Hé, Evoli. Oui, oh, Pikachu, merci pour m'avoir sauvé. Est-ce que quelque chose te dérange? Tu es Rose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu n'es pas vraiment un Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi, est-ce que tu étais avec Heidi avant de devenir un Pokémon? Comment est-ce que tu le sais? Rose, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis Heidi. Tu es Heidi? Toi aussi? Enfin, toi aussi, tu es dans ce monde, quoi. Je ne sais pas comment ça a pu nous arriver à tous les deux. Je ne sais pas non plus. Evoli, Heidi! Allez, venez, les gars, nous devons y aller maintenant. Ok, on arrive. Et Rose, je suppose qu'on doit y aller. Je ne veux pas être pourchassé à nouveau. Ok, allons-y. Est-ce qu'il a rejoint notre équipe, du coup, le petit Evoli? Bon, pas encore particulièrement. On va sortir d'ici. On va immédiatement aller se soigner. Et Germignon va nous... Ah non, je croyais qu'il allait nous voir. Ah non, il faut aller voir Gardevoir. Il faut aller voir Gardevoir, je pense. Puisqu'on a réussi notre mission. On a sauvé donc la personne qui était à sauver. Est-ce qu'il va nous remettre enfin notre badge de ranger? Je l'espère. J'espère fortement. Ah tiens, Evoli est dans le coin. Hello, s'il te plaît, va avec eux. Premièrement, je voudrais vous remercier pour avoir secouru Evoli. Mince. Quoi, comment je fais ça? J'ai mis en tout petit écran. Alors, je sais pas si pour vous, ça change quelque chose, mais... j'ai mis en tout petit écran. C'est bon. Normalement, c'est plus ou moins ok. J'aimerais vous remercier pour avoir secouru Evoli. Elle s'est remise de ses blessures physiques, mais apparemment, elle a toujours besoin de se soigner un peu plus. Bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé? Oui, pendant que nous y sommes.
Psst, hey, Eddie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te parler. Bien, d'accord. Merci encore pour m'avoir aidé hier. Bon, aucun problème. Il y a quelque chose que je veux te demander, Eddie. Tu es avec ces Pokémon qui m'ont secouru, donc ça veut dire qu'ils savent que tu es humain. J'ai essayé de leur parler, mais je n'ai pas trouvé le bon moment. Donc non, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas à quel point c'était... Enfin, you don't know how, on a vécu la même chose, donc calme-toi. À quel point c'était bizarre et confus quand je me suis réveillé. J'étais dans un village rempli de Pokémon et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Tout le monde là-bas avait l'air si confus. Je me suis enfui, j'ai couru loin de ce village, j'étais effrayé. Je ne savais pas quoi faire. Et alors tout est devenu sombre. Ma vision s'est assombrie. Et quand je me suis réveillé, je me suis trouvé face à un Tropius, Chapignon et Noix de Coco. Ils m'ont menacé, comme s'ils me connaissaient déjà depuis toujours. Mais voilà, j'ai pensé que je pouvais leur faire confiance, mais j'avais tort. Après que je leur ai dit la vérité sur le fait que je ne sois pas un Pokémon, ils sont rentrés en rage et ont essayé de... Rose, ça va, je comprends. Tu comprends complètement ce que je ressens. Tu n'étais même pas là pour être témoin. Comment pourrais-tu comprendre ce que j'ai ressenti à ces moments-là? Rose, je suis désolé, tu as raison. Je n'étais pas là, mais je sais exactement comment tu te sens. Comment? Bien, nous nous sommes transformés en Pokémon. Je suis sûr que nous avons ressenti la même chose. Nous avons été confus. Et d'autres Pokémon nous ont vus comme nous nous sommes réveillés. Mais je n'ai pas senti les choses que tu avais quand tu courais et que tu chassais ces Pokémon. Sniff. Tout ira bien, Rose. D'accord. Je ne sais pas. J'ai besoin d'être seul pendant un moment. D'accord. C'est terrible, petite Evoli. Est-ce qu'elle n'est vraiment pas un Pokémon? Et Heidi? Oui, Heidi. Quand nous nous sommes rencontrés, Heidi, je crois que... Bon, il vaut mieux que nous nous occupions de ça nous-mêmes, je suppose. Très bien. Lorsque l'heure sera venue, nous vous dirons tout. Nous vous dirons tout. C'est notre petit secret, ok? Yes. Ok, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas encourager Rose? Je suppose qu'on peut faire ça pour elle, après tout. Les amis d'Heidi sont nos amis. Yep. Poussifon, Germignon, je ne sais pas quoi dire. Hé, viens, Poussifeu. Ok. On va retourner à la maison, hein. Souvent c'est là-bas, je rappelle, que sont déclenchés les petits événements, s'il y en a. Peut-être pas, après, s'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Ok, on va peut-être parler au Evoli que j'ai vu, là. On a Evoli qui traînait. Hey Heidi, Torchic et Chikorita sont venus me voir et m'ont dit que, tous les quatre, nous irions au Garden Field. Vraiment? Oui, ils ont dit qu'ils allaient ils partaient devant. Ok, allons les suivre. Heidi, hey, où est-ce que tu voulais qu'ils aillent? Je vais te montrer. Encore un chemin? Dans les Sinister Woods? C'est incroyable. Écoutez, on va se laisser ici. On va se laisser ici pour cette deuxième partie. On a continué nos quêtes tranquillement. On a un nouvel allié. On a vu quelques méchants. Non, c'était sympa. J'aime bien. C'est un jeu tranquille, pas prise de tête. Un peu différent des jeux habituels auxquels je joue sur la chaîne. Donc c'est sympa. Je suis satisfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie de Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Et puis on se retrouve demain pour la troisième partie. Ciao, ciao.